Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'avenir dépend de nous. La mauvaise nouvelle, c'est que l'avenir dépend de nous. Évidemment, kitesurf, mais vous seriez surpris de me voir à la pétanque. Je suis complètement dingue d'engrenage. Là, vous me demandez un choix cornélien parce que voilà deux grands hommes qui ont aidé à faire basculer l'histoire du bon côté. Il se trouve que j'ai connu Nelson Mandela, donc un de mes plus beaux souvenirs, cette rencontre. Moi, on m'appelle le commandant Cousteau, donc c'est Cousteau et Lefteau. Il faut oser, mais après avoir hésité. Prendre le temps, la réflexion. Et après, faut pas rester pétrifié. Révolution sans hésiter, pour ce qui est du changement de système, du changement de modèle économique, du changement de modèle énergétique. Et puis après, petit pas pour ceux qui rentrent dans un chemin de progrès. Ce qui est important, c'est de faire un pas, mais pas s'en tenir là. Alors, on fait un pas, un autre pas, et on regarde comment non seulement on peut limiter son impact sur la nature, mais éventuellement même comment on peut la réparer. On n'a pas le choix. Devant la complexité des enjeux qui nous tombent dessus en cascade au début du XXIe siècle et qui sont en plus des enjeux universels, il faut jouer collectif. L'heure n'est plus à la confrontation, mais à la coopération. Donc ce siècle sera solidaire, ça veut dire collectif, ou il ne sera pas. Possible, mais dans un délai très bref. Il faut combiner les deux. La fin du mois, parce que quand on est à 20 euros près par mois, et même parfois dans des situations pires, c'est vrai que ce qui va se passer en 2050, et c'est naturel, n'est pas forcément sa priorité. Et en même temps, on a ce devoir d'humanité, de fidélité, de responsabilité, de ne pas projeter les enfants qui sont juste derrière nous dans un monde chaotique. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'avenir dépend de nous. La mauvaise nouvelle, c'est que l'avenir dépend de nous. Donc ça va tout simplement dépendre de ce que nous décidons ensemble.